une fois qu'on découvre Greta Gratos, c'est compliqué de ne pas avoir envie de la découvrir plus. Hein. Greta a pris cette place de quasi-humaine, d'extraterrestre, de fée, et qui observe les humains et s'interroge par rapport à leur curieuse façon d'exister. Je me suis beaucoup interrogée sur qu'est-ce que ça peut être que d'avoir des identités complètement multiples tout en étant une seule personne. L'existence de ma plus belle parure, la culture. Une ville sans culture ouvre grandes ses portes à l'ignorance et à la violence.